du Capricorne, décembre 22. Vous vous êtes plaint assez longtemps parce que vous aviez Pluton dans votre signe en vous disant « comment ça se fait que j'ai Pluton dans mon signe et qu'il y ait tellement de choses, tellement compliquées, etc. etc. » Vous allez être content, Pluton est en train de partir et il est en train de partir en faisant aussi un très très bel aspect à Jupiter en Poisson. Donc ce qui veut dire qu'on est plutôt dans une période de joie, d'apaisement, d'accomplissement personnel, de sentiment, de puissance, de mise en place, un peu comme si, ouf, finalement, au fond les choses étaient beaucoup plus claires. Alors ce qui est à noter, c'est que Vénus et Mercure qui sont en Sagittaire et qui embêtent tous les autres signes, vous embêtent pas du tout, c'est-à-dire que vous au fond vous prenez votre place affectivement et financièrement et matériellement, vous savez beaucoup mieux où vous voulez aller, et avec Mercure en Sagittaire, vous avez l'impression en fait de cocher, vous savez, c'est comme dans une to-do list où on coche nos objectifs, et c'est merveilleux. Quelquefois moi il m'arrive d'écrire en fait un truc que j'avais oublié pour avoir la joie de le barrer parce que je l'ai fait. Donc en fait, si vous voulez, c'est cette idée où on accomplit des choses et on est content de son accomplissement. Donc on est normalement dans une période, j'allais dire, de entre guillemets, alors repos du guerrier, c'est pas tout à fait le mot, puisqu'il y a toujours ce Pluton qui est en Capricorne, mais on est dans une espèce de positionnement stable où enfin on se sent en maîtrise des choses. Et là, évidemment, il y a effectivement le tirage du tarot, donc qui indique 5 de bâton. Donc 5 de bâton, qui est en fait quelque chose qui est quand même, j'allais dire, une espèce de mutation, de changement, de transition. Donc l'idée en fait, c'est que il va arriver des choses dans ce mois de décembre 2022, des choses qui sont peut-être imprévues ou inattendues, des évolutions qui sont plus rapides que ce que vous ne pouviez souhaiter, alors qui vont être aussi des évolutions très positives, hein, qui sont très attendues, mais que vous ne savez pas gérer. Donc en fait, l'idée, ça va être de ne pas essayer de faire d'enjeux, de faire de plans, on va dire, à très longtemps à l'avance, mais simplement de prendre des conditions et de voir d'une certaine manière quelles sont les voies qui s'ouvrent, quelles sont les possibilités, comment vous pouvez restabiliser avec votre objectif, votre équilibre, etc. Chaque fois, en fait, refaire votre assise, hein, comme le chat qui se promène avec son coussin et qui repose son coussin pour bien dormir près du chauffage ou au soleil, et qui essaye d'une certaine manière de s'adapter, on va dire, aux conditions, tout en, d'une certaine manière, recherchant à chaque fois une zone de confort par rapport à vos objectifs. Donc en fait, on est dans une transition qui est imprévue, transition qui cependant est très positive, était peut-être même souhaitée, mais qui en même temps sera déstabilisante. Donc la chose qui est très importante, c'est quelque part de ne pas essayer de faire plus que ça. C'est-à-dire que s'il y a une situation, si vous voulez, qui a, j'allais dire, un volume d'emmerdement, de ne pas essayer d'en rajouter en vous disant « Ah, mais il faut que je gère ça, que j'anticipe ça ». N'anticipez rien, contentez-vous de vous faire à date ce qui est nécessaire de faire, et c'est comme ça qu'en fait les choses seront le plus paisible possible. Il y a des mutations intérieures aussi assez importantes qui se font, des envies d'évolution ou d'expansion. Donc je voulais aussi saluer particulièrement mes Capricornes, parce que chaque mois je vois que j'ai beaucoup plus de vues sur les climats astro des Capricornes. Donc moi je suis un Capricorne, je suis ravie d'être suivie par des Capricornes, on se comprend, hein, tous ensemble on va faire un club, ce qui est très important, et bienvenue aux autres évidemment aussi, mais ils doivent nous ressembler parce que nous sommes la norme universelle comme chacun sait. J'arrête mes bêtises, en tout cas merci à tous mes Capricornes qui me suivent.